Coucou tout le monde. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good. Stay one more night, don't you know that my love is true? Let's make things right, I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve parce que j'ai ma cuisine à faire. Elle est dans un état... Bon, il y a pire, on a vu pire, mais il y a quand même du taf. Hier soir, j'ai des copines qui sont passées, c'était pas prévu, enfin bref. Et puis, je suis allée me coucher parce que j'étais claquée et du coup, j'ai rien fait. J'ai tout un grand meuble dans la cuisine également que je veux trier depuis super longtemps et que je ne prends pas le temps de faire. Donc là, il faut absolument que je le fasse. Donc, histoire de me motiver et peut-être du coup de vous motiver, je me suis dit que j'allais me filmer. Et que quand on voit quelqu'un faire du ménage, c'est tout le temps motivant. Et moi, de savoir que je suis filmée, ça me met en fait un ultimatum. Il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut pas que je lâche. Il faut que j'aille jusqu'au bout du tri, du rangement, de tout ça, de tout ce que je m'engage à vous dire en début de vidéo. J'avais aussi envie d'installer quelques petites choses. J'ai acheté des bocaux chez BM. Vous savez que j'adore aller là-bas. J'ai fait quelques trouvailles, donc j'avais envie d'agencer un petit peu différemment sur mon plan de travail. Enlever certains électroménagers, enfin bref, vous allez voir, je vais essayer de faire tout ça. En tout cas, on se motive, c'est parti. Alors ici, qui dit ménage dit musique, ça c'est un indispensable pour trouver la motivation. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man. Je soupçonne qu'un des enfants a dû mettre son bol de chocolat chaud dans le lave-vaisselle avec encore du chocolat dedans. Il y en avait partout, partout sur tous les bords du lave-vaisselle. Donc il a fallu que je nettoie ça à la brosse à dents puisque du coup il y en avait dans les petites rainures de fixation. Donc j'ai fait à la brosse à dents et à la mousse Silit Bang. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay, cause I found my way. Je suis vraiment loin de me servir de mon Thermomix tous les jours, donc j'ai décidé de plutôt le garder sur le plan de travail, de le ranger dans un tiroir, puisque du coup il n'a pas besoin d'être sorti, d'être en permanence sur le plan de travail, alors qu'il ne me sert vraiment pas tous les jours. Il y a même des semaines où l'été il ne me sert pas de la semaine. Comme d'habitude, je nettoie mes plaques avec la crème exprès pour les plaques à induction de chez Silit Bang.
Pour éviter toutes les traces, je finis par un coup de microfibre, en l'occurrence la fameuse chiffonnette, un chiffon doux fera l'affaire, et ensuite un tour de cure-dent sur tout le tour de mes plaques pour enlever tous les résidus qui viennent se coincer entre ma plaque et le plan de travail. Ensuite, je nettoie et surtout je dégraisse mon plan de travail avec un nouveau produit de la gamme Lacroix, spécial cuisine et salle de bain, mais sincèrement, je ne l'ai pas trouvé formidable. Ma hotte est en verre trempé, donc je la nettoie au produit à vitre. J'ai fait le nettoyage de mon four il y a quelques jours, donc il est encore franchement très propre. Je vais juste donner un petit coup dans le fond parce que je m'en suis servi. Je ne sais pas si vous connaissez ces éponges magiques de chez Action pour nettoyer le four, mais c'est incroyable. Je les ai découvertes sur la chaîne de Joël. C'est en fait des petites pailles de fer avec déjà un produit d'imbibé dedans. Vous les humidifiez à peine, mais vraiment, c'est magique et ça vous enlève le plus gros de tous les résidus en frottant à peine. C'est génial. Et je termine le nettoyage de l'évier avec le dégraissant de chez Action.
Comme d'habitude, la petite touche magique finale, ça va être un petit peu d'huile d'olive sur une chiffonnette. Et on vient en imbiber tous les viennois noirs, ça va venir le faire briller, le protéger, le calcaire va se déposer beaucoup moins vite. Bon là vraiment faut se rendre à l'évidence, mon éponge réutilisable n'est plus réutilisable, elle est vraiment plus qu'abîmée, je vais la changer, mettre une toute propre, celle-ci partir à la poubelle. Je fais toutes les façades de ma cuisine laquée blanche aux produits à vitre. Je trouve vraiment que c'est ce qui nettoie le mieux et laisse le moins de traces. Je vous l'ai déjà dit, mon balai vapeur, c'est un Black & Decker. Je ne l'aime pas du tout parce que le réservoir est au niveau de la main et ça rend l'appareil hyper lourd. À chaque fois, ça me fait hyper mal à l'épaule très rapidement. Donc, vraiment Black & Decker, super, mais avec le réservoir vraiment tout en bas. Ce modèle-là, je vous le déconseille. Alors, l'autre jour, les filles, en allant chez B&M, j'ai trouvé ces grosses jarres en verre avec un joli bouchon bois hermétique. Peut-être comme ça, dans ce sens-là, on verra mieux le bois. Je trouve que le bois est vraiment, vraiment super joli. Et j'ai pris deux grandes et deux petites. Les grandes étaient à 6 euros et quelques centimes. Et les petites, 3,99 euros, il me semble. Du coup, je voulais, là où j'ai enlevé du coup là-bas le Thermomix, j'aurais voulu faire une petite décoration. J'aurais vraiment aimé mettre quelque chose sur ce mur-là. Dans l'idéal, j'aurais voulu mettre deux grandes étagères en bois dans l'esprit un peu comme ça. Mais je trouve pas exactement ce que je veux. Et puis, vous allez voir, dans les semaines à venir, je vais vous expliquer des trucs. Vous comprendrez peut-être un peu mieux, mais là, du coup, on le fait pas. J'ai essayé de chercher sinon une petite décoration à accrocher. Il faut que je cherche encore parce que j'ai pas trouvé. Mais ce mur-là, il faut pas qu'il reste blanc, ça m'embête. Mais en attendant, ici, je vais mettre une petite décoration, du coup, avec les bocaux, en les remplissant de bonnes petites choses sur le thème de Noël et de la gourmandise. Et comme ça, ça va nous faire des petites sucreries à manger le soir devant la télé.
Et voilà, je trouvais que ça me manquait d'un petit quelque chose. Du coup, j'ai rajouté cette bouteille-là que j'avais achetée il y a un moment chez Action. Ça devait être cet été. Mais c'est en mois de juillet parce que je l'avais achetée pour l'anniversaire de Sujay pour la décoration de table. Et à l'intérieur, ce sont des fleurs séchées et une petite guirlande lumineuse. Je trouve que ça complète magnifiquement l'ensemble. Je trouve ça trop joli. Donc je me répète, mais je pense que sinon on va me le demander. Le plateau vient de chez Action. Les bocaux ici de B&M. La bouteille lumineuse Action. On entend bébé ici en fond. Les sucres d'orge de chez B&M. Les chamallows et les M&M's également. Les Ferrero Rocher de Leclerc, hein, ça vous en trouverez partout. Et voilà, une cuisine toute propre et bien rangée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'on aura réussi à se motiver tous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao !